Au fil des heures, Brad Pitt s'est révélé être un personnage aux multiples facettes. Incarne aussi bien un astronaute isolé animé d'un seul but dans Ad Astra qu'un cascadeur à robot dans Il était un. The Fool Hollywood. Mais peu de choses ont autant intéressé le fan de Pitt que ses multiples aventures amoureuses. En 2018, les fans ont réalisé à quel point les goûts de Pitt en matière de femmes ont évolué au fil du temps. Lorsqu'un utilisateur de Twitter partage une capture d'écran d'un article de presse comparant les diverses relations passées de l'acteuse avec son look au fil des ans, les réseaux sociaux se sont enflammés. Soudain, tout le monde a réalisé à quel point Pitt changeait de style pour s'adapter à ses partenaires. Le 26 juillet 2018, l'utilisateur de Twitter lançait un fil d'image montrant que Pitt prenait l'expression « meilleure moitié presque trop au sérieux » sur chaque photo. L'acteur ressemblait comme deux gouttes de sa compagne. La source d'information d'origine du fil de discussion montrait des photos de Pitt avec Angelina Jolie, Jennifer Aniston et Gwyneth Paltrow. Sur chaque photo, l'acteur peut être confondu avec quelqu'un d'entièrement différent au premier coup d'œil. Avec Jolie et son brevet, Pitt s'est éteint les cheveux blancs et tous deux avaient l'air élégants dans des tenues de soirée sombres et de grandes lunettes de soleil. De même, Pitt est assorti ses deux autres petites amies sur la couverture de l'article. Lorsqu'il est sorti avec Paltrow, l'acteur arborait ses cheveux dorés caractéristiques, sauf qu'il était lissé pour correspondre à son styliste avec une raie sur le côté. De la même manière, Pitt était très élégant lorsqu'il est sorti avec Aniston et porte une fois de plus ses cheveux dans leur couleur naturelle. Cependant, il s'était accordé avec la coiffure de ce compagnon en opte pour un look désordonné. Encore marié à l'époque, ils se ressemblaient remarquablement avec leurs boucles couleur sable et leur peau mordorée. En peu de temps, tous les tweets initiales accumulaient 386,0 likes, 122,0 jitouis à 4 sous commentaires et progressivement d'autres images de Pitt et de ses compagnons fait le tour de l'étoile. Sarah McGoney, la photographe new-yorkaise qui a trouvé la vieille coupure de journal, a également apporté sa contribution. Brad Pitt, le 8 septembre 2022, Venise, Italie. Sur Getty Images rapidement, le tweet s'est répandu sur d'autres plateformes de médias sociaux et même attiré l'attention des plateformes d'information. Un nombre croissant d'images montrant Brad Pitt et plusieurs de ses petites amies commençaient à apparaître, et des médias tels que le Daily Mail se sont mis de la partie. Pitt lui-même s'était exprimé sur sa notoriété et l'attention constante que cela lui confère, déclarant qu'il préférait ne pas lire ce qui le concernait dans la presse. Il avoue qu'il avait pris l'habitude d'éviter de lire une magazine présent de rumeurs incessantes qui circulaient à son sujet. L'acteur déclare juste arrêter de lire toutes les presses sur 2004. Parce qu'une partie de ces informations tournait incessamment dans ma tête. Elles y restaient influencées certaines de mes décisions et certains de mes choix dans le travail, dans les vies, et je ne trouvais rien de tout cela utile. Je ne fais pas tout pour l'éviter, mais je ne la recherche pas. Brad Pitt, le 24 février 2023, Paris, France. Sur Getty Images, Brad Pitt a ajouté que toute la couverture médiatique de son travail et de sa vie personnelle est intimidée à un moment donné. L'acteur avoue avoir passé la majeure partie des années 90 à essayer de se cacher par les presses, ce qui a rendu sa vie assez isolée. Au bout d'un certain temps, il a appris à composer avec les médias et ignorait les nouvelles qui le concernent. Depuis que McGoney Gold partageait son tweet original soulignant à quel point Brad Pitt s'habillait, se coupait les cheveux comme toutes ses petites amies, une multitude d'images ont été trouvées. Une autre photo de l'acteur et de son ex-femme Angelina Jolie montre que les deux se ressemblent presque exactement. Debout côte à côte, ils arborent tous deux des cheveux mi-longs. La photo de Pitt et Jolie était prise en 2001 trop très longue lorsque le couple d'aujourd'hui sépare est apparu ensemble des premières du film de Pitt Well-O-Z. Outre sa photo avec Aniston, les années 1990 ont offert de nombreuses images de Pitt s'accordant avec le style de plusieurs de ses partenaires. Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, New York City, New York, est à 1997. Sur Getty Images, en 1994, Brad Pitt était photographique avec son ex-petite amie Jitva Poldek. Tous deux l'air détendu avec des mèches de cheveux assorties qui leur tombent sur la poitrine. Sur la photo, Pitt porte un pull gris surdimensionné avec un île tandis que ses cheveux sont blonds comme à l'accoutumée. Poldek portait une veste marron avec un île gris, ses cheveux étaient bruns.
Jour en 1994, Pete et toute votre compagnie de Juliette les 8 arborent une coiffure beaucoup plus courte. Tous d'un full tapis rouge d'une première bras dessous de souris de l'appareil photo. Ils avaient des coupes de cheveux blonds courts similaires ceux de Pete descendant jusqu'à la mâchoire tandis que ceux de Lewis s'arrêtaient à la longueur de l'oreille. D'autres utilisateurs ont également publié des photos de Pete et de ses petites amies. Une personne a partagé une image de l'acteur et d'Aniston le jour de leur mariage, soulignant qu'ils s'étaient fait des mèches assorties pour le grand jour. Une personne a émis la théorie suivante : les couples finissent généralement par se ressembler. Les célibataires leurs chiens. Mimétisme inconscient. Les humains sont bizarres. Brad Pitt et Jake Capolo le 30 novembre 1994 à Beverly Hills, Californie. Sur Getty Images, un autre fan a remarqué que Brad Pitt n'est pas seul à sortir ses petites amies. Tout était vu ressemble à certains de ses covedettes et de ses meilleurs amis de temps en temps. Lorsque Pete et Tom Cruise ont joué ensemble dans Entretien avec un vampire, une photo de lui montrée comme des images miroirs. Souris et appareil photo de ses cheveux bruns caractéristiques étant donc séparés d'un côté tandis que Pete portait ses longues mèches blanches du côté opposé. Le même utilisateur partage une image de Pete et George Clooney d'être élégants ensemble dans des costumes noirs, des chemises noires et des coupes courtes. Paltrow lui même aborder les questions soulignant que leur look similaire n'était pas intentionnel. Et il est toutefois avoué qu'il était difficile de savoir si Pete imitait ses petites amies ou si leur style s'adaptait au sien. Elle veut également déclarer qu'il n'avait des coupes de cheveux similaires à un moment donné que parce qu'il utilisait le même coiffeur. Brad Pitt et Angelina Jolie le 11 février 2012 à Berlin, Allemagne. Sur Getty Images néanmoins, il est impossible de ne pas remarquer à quel point Pitt reflète souvent le style des femmes qu'il fréquente. Lorsqu'il sortait avec Christine Applegate, l'acteur et sa petite amie étaient élégants avec des coupes de cheveux style années 80 et des vestes en cuir. Une photo de lui, j'ai. Et il y montre le couple tout sourire amoureusement l'appareil photo de des tenues inspirées de l'Occident. En un 988, Pete était vu avec il Cholent posant avec une main dans la poche de son nid et l'autre bras d'enroule autour de l'actrice. Il avait associé son nid à long manteau noir et un petit réchute. Il Cholent portait une veste à motif noir et blanc, une chemise noire en dessous. Le couple complétait sa tenue par un chapeau noir large bord. Les lunettes de soleil élégantes sont un chaud mode récurrent pour les nombreux ensembles de des stars de cet un petit bain. Il était photographié de nombreuses reprises avec un look branché de des teintes inhabituelles et son homologue de l'époque lui rendu les pareils. Brad Pitt et son ex-femme Aniston ont été vus de nombreuses reprises arborant des lunettes cool. Juliette Lewis et Brad Pitt le 24 septembre 1992 à Hollywood, Californie. Sur Getty Images au fil des œuvres, Brad Pitt est une histoire sentimentale mouvementée. La relation avec Juliette Lewis entre 1990 et se demande un mariage à Gwyneth Paltrow, les fans ont suivi avec attention les partenariats romantiques de l'acteur. Après son divorce avec Angelina Jolie, les fans se demandaient avec qui l'acteur sortirait ensuite. Bien que le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie n'ait pas encore été prononcé, les stars du film stratégisaient une série de courtes relations. Deux noms notables qui ont été liés Pitt depuis 2016 sont Emily Ratajkowski et Nicole Poturalski, mais l'acteur a depuis été stable avec une femme. En novembre 2022, Pitt a été vu pour les premières fois avec la créatrice de bijoux Inde Raman. Des sources ont confirmé que deux couples se fréquentaient depuis un certain temps avant que leur relation ne soit rendue publique. Pitt et de Ramon commençaient à se fréquenter peu après le divorce de la créatrice de bijoux et de son mari, Paul Wesley, tombé 2022. Selon Pitt et de Ramon se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Bien qu'ils ne soient pas encore apparus d'ensemble des premières d'un film, ils ont été de côté l'un de l'autre lors de plusieurs autres événements plus privés. Les premières fois qu'ils ont été vus ensemble, c'était dans les coulisses d'un concert de Bono. Les relations entre Pitt et de Ramon interviennent après une longue période d'introspection de l'acteur.
Dans cette période, il s'était adonné à de nouveaux passions, dont le principal est la sculpture. L'acteur parle franchement de la façon dont il voyait ce et dont il abordait les relations. Disons qu'il était honnête au sujet de ses propres défauts. Je me demandais où j'étais complice. D'échecs dans des relations où je m'étais trompé. Ils ont attiré l'attention des médias lors d'une escapade romantique à l'occasion d'une nouvelle de 2023, ce qui indique que les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses depuis leur première rencontre. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, une source a confirmé qu'ils ne prenaient pas les choses trop au sérieux. Les choses ont évolué entre Pete et Ramon et ils se seraient même rendus ensemble à des premières de Babylon le 15 décembre 2022. Cela du film No Peu Foule le tapis rouge ensemble. Pete le 24 février 2023 Paris France. Getty Images quelques jours après les premières le 18 décembre, Pete et Ramon ont assisté ensemble au 59e anniversaire de l'acteur d'Hollywood. Selon People, la soirée consistait en un dîner décontracté avec Ramon et quelques amis proches, des cadeaux d'échange au vieux, un gâteau d'anniversaire recouvert d'une bougie. Aujourd'hui, Pete et Ramon ne proclament toujours peu leur amour sur les toutes, mais l'acteur a apparemment envoyé un bouquet de fleurs à Ramon. En février 2022, le couple a également été aperçu lors de la cérémonie des Césars en France où ils se sont retrouvés lors d'un dîner romantique. Bien que l'on ne sache peu grand-chose sur l'évolution de leur relation, le sens du style de Pete évolue une fois de plus au cours de l'année écoulée. Le magazine de mode Style est rapporté que ce garde-robe échange depuis qu'il fréquente Ramon en 2022. Pete le 14 février 2023 est New York. Surtout Getty Images autrefois connue pour ses looks élégants graphiques, notamment lorsqu'il apparaissait sur le tapis rouge aux côtés de Jolie, l'acteur semble avoir pris goût au JTO FC. Dernier titre. 2022, on a vu Pete se pavaner au chef basket plus d'une fois avec un chapeau à godet. Il a également été aperçu dans des tenues de plus en plus colorées et arborant des vestes orange vif et des bonnets verts qui attirent l'attention. Quand il était vu chaud dans un survêtement confortable avec un pantalon de laine. Il associait l'ensemble d'un bonnet marron tout aussi laineux et à des lunettes de soleil. En février, l'acteur était aperçu sur le plateau de tournage d'un film portant un pantalon noir et jambes droites associées à poule fou flashy accentué par d'épaisses rayures noires et bords jaunes. Et également une paire d'aviateurs teintes de rouge et des bottes noires. Brad Pitt le 13 février 2023 à New York. Surtout des images Brad Pitt le 30 janvier 2023 à New York. Surtout des images Brad Pitt a continué à attirer l'attention des passants porte une combinaison de lourd sarcelle janvier 2000. L'acteur était élégant dans cette tenue frappante alors qu'il arrivait sur le plateau de tournage du film WLVS. Ce pavaneau confortable noir avec une écharpe jaune et même une ceinture assortie, c'est combinaison autour de la taille. Et vous, un moment, mais sur Google News.